Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Bon bah voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu constater sur ma petite vignette, un petit déballage de booster Pokémon et d'un petit deck de combat. Donc bah, avant qu'on commence cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas, d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets les prochaines vidéos. Bah, allez, c'est parti, suivez-moi. Voilà, alors nous avons un petit booster fusion, un deuxième petit booster fusion, nous avons un petit booster style et combat, un petit évolution, et nous avons un deck de combat, voilà, hop, où nous avons Rayquaza et c'est quoi, Wyvern. Donc on va commencer par ceci pour voir ce que nous avons dans ce petit deck. Alors ça se présente, on va déjà l'ouvrir. Voilà. Ça se présente comme ceci, emballé. Voyons voir ce qu'on a dedans. Oh. Alors on va commencer par Rayquaza. Voilà, on va déjà l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons déjà une espèce de petit pog, voilà, comme ceci. Qui est super brillant, mais qui est super stylé. Tout c'est marqué, bah, évidemment, hein. Alors, pas déconner, Pokémon derrière, hein. Bien sûr. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, nous avons un petit fascicule pour les decks. Ok, bon. Après, carte récompense. D'accord. Un poste actif, bon. Pile de défauts, deck. Ah, ok, en fait, nous avons un tapis de jeu comme ceci. Voilà, franchement, c'est pas mal. Pour débuter, c'est cool. Voilà. Hop. Après, qu'est-ce que nous avons? Hop, hop. Nous avons les règles de jeu. Ça, c'est sympa. Si on se souvient pas, et eh ben, on en a un. Après, c'est quoi? Nous avons de nouveau la même chose qu'avant, qu'on a déjà vu. Nous avons un distributeur de petits points ici. C'est sympa, ici, dans un deck de combat. C'est cool. Après, nous avons, voilà. Et après, on commence les choses intéressantes. Vraiment intéressantes. Nous avons déjà ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Hop. Donc nous avons des cartes. Alors, état. Ok, ça nous explique. Ok, les états spéciaux empoisonnés, voilà, qui sont sur les cartes. Donc c'est sympa, ils nous font un petit explicatif si on est, si on sait pas. Nous avons la même chose pour les trucs brûlés. Voilà, ils nous expliquent le haut de la carte est orienté vers la droite pour être paralysé. Enfin, ils nous expliquent comment faut se placer quand on est empoisonné ou brûlé. Et que pouvez-vous faire lors de votre tour? Voilà, c'est vraiment des trucs d'explication pour pouvoir faire les jeux. C'est vraiment sympathique. Voilà. Bon, ensuite, donc dans ce deck, nous commençons. Première carte. Voilà. Ben, nous avons déjà, ben, de base, Rayquaza. Voilà. Alors, j'arrive pas à voir le numéro parce que celle-là, à mon avis, elle n'est pas numérotée. C'est une autre. C'est vraiment un deck pour jouer. Mais voici comment elle est. Allez. C'est de faire une petite netteté dessus, ce serait sympathique. Elle a pas envie, hein. On va essayer de faire comme ça. Hop. Voilà. Elle est vraiment chouette. En plus, elle est toute brillante comme ça. Voilà. Hop. Elle est chouette. Là, après, nous avons, bah, comme la fois déjà, le truc online. Voilà. Et ici. Et après, nous avons le deck. Alors. Attention. Nous avons ouvert le petit deck, voilà. Donc nous commençons déjà avec, attendez, bougez pas, on va aller chercher la boîte magique de rangement, parce qu'il faut pas déconner, qu'on ouvre, on range tout de suite
où il faut. Hop là. Donc nous commençons, nous en avons déjà, hop, 2 énergie. Voilà, des cartes d'énergie, c'est toujours utile, on sait jamais. Hop. Après, énergie électrique, évidemment, nous avons 2 fois des énergies feu. Et après, on commence. Oh. Ça commence bien, j'en ai déjà une de rare de cartes. Première que je pioche. Donc voici Fulguris. Voilà. Déjà. Hop. Qui est une carte rare. Donc on va déjà la mettre où j'ai les rares. Hop là. Après nous avons de nouveau une carte énergie. Après nous avons. Hop, on va faire comme ça. Attention. Hop, nous avons un Loupio. Après le Loupio, nous avons une petite. C'est quoi que nous avons? Une petite Super Ball. Ça, c'est pas très intéressant. Enfin, si, pour capturer des Pokémon, ça peut être intéressant. Voilà. Après, nous avons une petite Lanturna. Alors, nous avons de nouveau une énergie, c'est pas très grave. Nous avons corde de sortie. Ça, ça peut être intéressant. Nous avons naissance d'évolution. Toujours pratique. Une petite énergie électrique. Après, nous avons les traditionnels. Nous avons Flamajou, qui est sympa. Nous avons un petit dresseur, qui est ici. Oh, voilà. Ensuite, où c'est que je vais mettre par là? Alors, on va commencer comme ça. Alors, nous avons de nouveau une Super Bowl. Pas trop mal. Nous avons celle-ci qui est un Pyronil. C'est classique. Donc voilà. Hop. Ensuite, de nouveau une énergie. Donc ça, hop, on range direct. Nous avons un Flamoutant. Voilà. Hop. Nous avons de nouveau un Loupio, donc ça de côté. De nouveau une énergie feu, c'est sympa. De nouveau un petit dresseur. Je sais plus où je l'ai mis l'autre. Ah, il est là. Hop. Ensuite, nous avons un petit Dynavolt. C'est sympa. Donc de nouveau une énergie électrique. Nous avons de nouveau un petit dresseur d'arène. Ensuite, nous avons de nouveau un Flamajou. Voilà. Bon, on en a à double. Ma foi, c'est pas grave. Ensuite, nous avons recherche d'énergie. Ça, ça peut être sympa. C'est toujours pratique. On peut chercher une carte de base. Voilà, c'est pas mal. Nous avons de nouveau un petit Dynavolt. Voilà. On va regarder lesquels que j'ai pas. Alors, nous avons une petite potion. C'est sympa. Après, de nouveau une énergie. Donc ça, c'est pas très grave. Ça, c'est intéressant. Voilà. Nous avons un Pyrax. Bonjour, mon copain. Tu veux jouer contre moi, c'est ça, hein? Voilà. Alors, qui est rare? Ouais, alors, pour l'instant, plus descend, c'est gentil. Hein, je veux pas. Après, donc, nous avons eu un Pyrax. Ça, c'est cool. Après, nous avons un Pyronil. Voilà. Rien de folichon, mais qui est fort sympa. Nous avons de nouveau une dresseuse. De nouveau, énergie feu. Une Super Bowl. Bon, alors, 1, 2, nous avons 2 dresseurs, de nouveau.
Ah, récupération d'énergie, ça c'est toujours pratique. Alors, ensuite, nous avons un Alex Spring qui est sympathique aussi. Nous avons de nouveau un dresseur, Chaz. Bon, voilà, en flamoutant, je l'ai eu avant. Bon, hop. Là, de nouveau en flamajou. Hop. Après, nous avons. Ah, je crois que je l'ai eu déjà avant celle-ci. Bougez pas, je vais regarder. Voilà, mais. Nous avons de nouveau en Fulguris. Malheureusement, c'est dommage. Mais c'est pas grave, c'est bien. Nous avons, je sais que je l'ai vu avant, en Pyrax de nouveau. De nouveau, en Pyroil. Pyronil, désolé. Hein. Après ça, bon. Des encens, des Super Balls, des énergies, des potions. De nous avons de nouveau une lanterne. Nous avons une corde de sortie. Si on tombe dans un trou, c'est toujours pratique. Et une énergie. Bon, bah voilà. Donc là, c'était notre premier deck combat. Où il y a 2-3 trucs sympas. Franchement, il y a 2-3 trucs qui sont sympathiques. C'est pas mal. Hop. Ensuite. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme booster ? Allez, soyons fous. On va prendre un booster fusion, voilà, qui est ici. Hop, soyons fous. Casse-tourne-nous. Hop là. Hop. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a reçu de beau cette fois? J'espère que ce soit vraiment intéressant. Alors, ça on enlève. Et nous avons en un Pidim. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, franchement. Nous avons en Snom. Je sais pas trop ce que c'est. Ça me dit rien. Ah, ça c'est chouette. Nous avons un petit Onyx. Ça, ça peut faire mal. Nous avons un petit J. Français, un petit rondoudou, hein, voilà. Nous avons un petit Durant. Nous avons une Shoe Girl, voilà, petite dresseuse. Nous avons niveau 2 Goudra qui est sympa, voilà. Qui est rare. Une petite énergie. Nous avons Excadrille. Et ensuite, nous avons encore Trévenant. Voilà, c'est pas mal. Et nous avons une petite carte d'entraînement. Voilà, qui est ici. C'est pas mal. Franchement, on a 2-3 trucs qui sont pas mal du tout. Ensuite, allez, on va se faire vite. Est-ce qu'on a le temps? Ouais, on va se faire quoi. Allez, une petite évolution céleste. Hop. Tac. Ça n'a pas besoin. Et c'est parti. Alors, première carte. En haut. Karbark. Qui est ici? Ensuite, nous avons un Granipio. Nous avons une chauve-souris. Ensuite, ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Nous avons un petit Evoli. Il est chouette, il est mignon tout plein. Nous avons un petit Tritonde.
Tiens, un bon bidou. Nous avons après celle-ci qui est en vert pomme. Et là, on arrive à la meilleure qu'on gardera pour la fin. Nous avons une petite carte d'énergie, voilà. Nous avons bac à glaçons, voilà, c'est. Ils savent plus quoi inventer. Et nous avons après rouleau de dragon volant dresseur, voilà, ceci. Et nous avons une rare brillante de base, Galvagon, qui est fort sympathique. Bon voilà, il me reste encore un ou deux jeux, un ou deux boosters, mais on les gardera pour une prochaine fois, c'est promis, parce que là, ça fait déjà pas mal. Donc enfin, j'espère que cette petite déballage de cartes Pokémon vous a plu. En tout cas, moi, c'était fort sympa. Donc, portez-vous bien, soyez forts et partagez en max. Puis, prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, ciao, ciao.